Vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis. Amen. Amen. Mais donc, qu'est-ce qui manque là? C'est pas Hervé Drinel? Non, non, il est malade. Ah, et qu'est-ce qu'il a? Il est malade, il a des... je sais pas quoi, il est malade. C'est pas grave? Non, c'est pas grave, il est malade. Mais alors, qui est-ce qui manque? C'est ce que je vous demande. Qui est-ce qui manque? Ah bah c'est Caradoc! Bah non, je suis là. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas compté de ton côté. Bon. Ça va? Ouais, ça va. Père Blaise, n'allez quand même pas me dire qu'il y a un siège de vide? Ah bah non, normalement il y a quelqu'un pour remplacer. Alors qui est-ce? J'ai noté ça quelque part... Non, non, ça va, non. Vous fatiguez pas. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là? Il doit être en retard. En retard? Eh bah y en a là-dedans. Bref, moi j'ai pas le temps d'attendre jusqu'à demain. Monseigneur Petronius, si vous voulez bien bénir la table, qu'on enchaîne. Bah et moi? Quoi et vous? Bah déjà, la prière je me la fais siffler. Maintenant la bénédiction. Ah mais je sais pas, non, je pensais que comme on avait la visite de l'évêque de Bologne... Archevêque. Archevêque, oui. Ouais bah s'il faut être archevêque de Bologne pour pouvoir faire son boulot maintenant. Bah alors qu'est-ce que je fais? Je bénis ou je bénis pas? Ah mais comme vous voulez, Père Blaise si vous préférez le faire. Bah, non mais attendez, mais je représente le Vatican quand même. Et moi je représente quoi? Une coopérative agricole? Non mais moi je viens directement de là-bas. Ouais bah tu pourrais y retourner vite fait. Dis donc, vous savez à qui vous parlez vous? Je mange avec le pape tous les midis moi. Ouais, et ben moi, je mange avec mon tonton Guetnoc et ton pape tu... Ah, quand même. Bon, écoutez-moi, je voudrais que vous fassiez attention, tout autant que vous êtes, à la ponctualité. Tenez, Elian, par exemple. Non, mais je sais que l'Irlande, c'est pas là que ça touche, mais quand même, à chaque fois, on est obligé de vous attendre pour toutes les cérémonies d'où... Je suis désolée. En Carmélide, il n'y a pas de route pavée. Mon cheval n'a pas l'habitude. Il a fallu que je finisse à pied, il avait les jambes comme ça. Et... Qui êtes-vous? Vous avez pas reçu la lettre? J'ai reçu des lettres, oui, mais enfin, il me semble pas... Je veux dire ça, je m'en serais souvenu. Je suis recommandée par votre beau-père. Léo Dagan? Ah oui, 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 d'accord. Vous êtes la fille de son ami... Voilà, c'est moi. C'est ça. D'accord. D'accord, parce que moi, je croyais qu'il vous recommandait comme... Boniche? Ah non, 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 pas forcément, non. Pas forcément? Non, mais j'en sais rien, moi. Dans ma tête, il vous recommandait pour que je vous marie à un chevalier, par exemple. C'est ce que je dis. Boniche. Écoutez, mademoiselle, admettez que tout ça est quand même assez surprenant. Enfin, je veux dire, vous êtes quand même... Quoi? Vous me trouvez trop jeune? Mais non. Je trouve pas trop jeune. Bon, écoutez, on enchaîne comme ça parce qu'on va pas passer la journée là-dessus non plus. Mais sire, quand même, vous allez pas... J'ai pas quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dit oui à mon beau-père maintenant. Enfin, si ça se sait, on va passer pour quoi? Pour des cons. Écoutez, j'ai dit oui, on va pas en faire un fromage. D'ailleurs, j'ai pas entendu dire que c'était interdit, hein, Père Blaise. Au Vatican, en tout cas, ça risque pas d'arriver. Mais je parle pas du Vatican, puis je vous parle pas, vous. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui mentionne ça dans les écrits. Mais quand même. Non, attendez, c'est écrit ou c'est pas écrit? Je crois pas. Alors, y a pas de problème. Ah, bravo! Ils vont être chouettes, les romans de la table ronde! Les petits chevaliers qui ramassent des petits bouquets pour leur petite mémé. Tant qu'on y est, on pourrait changer de costume. Ouais, de toute façon, le fuchsia, ça va avec tout, alors. Attendez, là, le problème, c'est que je suis une fille, c'est ça? Disons que ça joue un peu, oui. C'est pas juste, ça, hein? Et j'ai jamais porté de rose, hein? Et j'aime pas les fleurs? Je me lave pas et je pisse dans mon armure comme vous? Ouais, mais non, y a pas que ça. C'est quoi alors? Parce que je préfère les hommes, c'est ça? Parce qu'on te l'a faut virer de Hort aussi, hein? Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi, c'est pas vrai? Mais absolument pas! Vous n'êtes pas le chevalier Hort? Si! Y'a un bruit qui court en Carmélide. Un bruit qui court? Je suis désolée. Bref, ça on verra plus tard. Et pour le reste, je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas tout à fait dans les traditions, mais je voudrais quand même qu'on essaye d'avancer, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on voit pas souvent avec des bonnes femmes, vous. Je vous rappellerai quand même que j'ai 9 enfants. Ça veut rien dire, ça. Il faut quand même les faire.
Mais ça veut rien dire. Sire, il me semble qu'on s'éloigne du sujet. Ben en fait, pas tellement. Il s'agit toujours de gonzesses. Attendez, attendez. Il faut quand même mettre les choses au clair. Nous autres, au Vatican, on a plusieurs affaires en cours. Il faut retrouver l'Arche d'Alliance, faire le ménage sur la route de la soie, etc. Mais le Graal, on vous a donné l'exclusivité. Alors si c'est pour donner du travail à des tapettes... C'est qui traite de tapette, celui-là? Tapette? Mais c'est qui se trimballe en robe à travers tout le pays? Personne ne te parle, toi, diable! Moi, je te parle, petite popole! Je vous préviens, si ça devient homophobe, je m'en vais. Je vais vous faire un rapport carabiné, moi! In detalium! Mais qu'est-ce qu'on attend pour le renvoyer à son Vatican à coup de pompe dans le cul, celui-là? Tu pourras dire à ton pape que s'il le veut, le Graal, il a qu'à venir le chercher! Ouais! Qu'il y vienne patauger dans la merde! Il y a du boulot pour tout le monde ici! Si on a envie de bosser avec des gonzesses, on fait comme on veut, non? On est à peine débarrassé des Romains, voilà qu'ils nous arrivent les curtons maintenant! Qu'est-ce que c'est au juste comme pays, l'Italie? Un distributeur d'emmerdement? Mais sera-t-il un jour possible de vivre sa différence sans souffrir du regard d'autrui? Si je me lève, il va y avoir de la purée de tomates. Je vous le dis, moi. On va pas encore vous avoir sur le dos pendant 300 ans, si? Nous, on est sectes! Et on est fiers de l'être! J'ai envie de crier ma liberté! Dehors le curton! Dehors le curton! Dehors le curton! Quel est ton nom, chevalier? Ederne, sire. Ederne. Sois la bienvenue, Ederne. Et considère-nous comme tes frères. Ah, au fait. Je vous ai fait des gâteaux à la groseille. Eh bien, moi, j'aimerais bien les goûter. Mais oui, c'est fait pour... Non.